Encre. Vous êtes sur Mosaïque. Vie associative, cinéma et musique vont de pair à Saralb. Vous êtes eu un grand sur Mosaïque. Pour une association, le dynamisme passe par son quota de membres, d'où l'importance du recrutement. La musique municipale de Saralb n'échappe pas à la règle et pour séduire, elle s'est tournée cette année vers un spectacle original, un ciné-concert. Thomas Droit. Allier musique et dessin animé pour attirer l'attention des plus jeunes, c'est le projet qu'a mené la musique municipale de Saralb sous la houlette du directeur musical de l'ensemble, Frédéric Karpoff, qui est aussi directeur de l'école de musique de la ville, ce qui facilite les choses pour le travail en commun entre les deux entités. Mais le public visé étant les jeunes, un troisième organisateur a été convié, le collège de Saralb. Eh bien, le collège a un atelier graphique. Des jeunes du collège se sont attelés à faire des maquettes pour ce qui est affiche pour ce concert. Ils ont travaillé là-dessus, sur le projet. Et leur communication a payé, puisque de nombreux jeunes ont été attirés par la nouveauté. Un ciné-concert, c'est en effet peu courant à Saralb. Un spectacle innovant que les musiciens ont pourtant préparé, comme d'habitude, ou presque. On répète les morceaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on répète. Et juste à ce que ça marche. Ce n'est pas exactement comme d'habitude, parce que le travail était quand même plus précis. Parce que quand vous jouez le film, il se déroule. Donc il faut être beaucoup plus précis. Et j'ai bien aimé ce travail de précision. Un travail de précision qui ne laisse donc aucune place à l'improvisation. Et demande aux musiciens une grande concentration pour suivre les partitions et les indications du chef, avec toujours la tentation de lever les yeux pour voir le film, car les musiciens ne les ont pas vus pendant les répétitions. C'est le chef qui avait l'écran tourné vers lui, donc lui voyait et nous on jouait juste en fonction de ses indications. Oui, nous on voyait pas le film, mais de toute façon on est assez, je pense, concentré sur notre partition et sur déjà les indications du chef. Quand on doit quand même regarder la partition parce que c'est le plus important. Et quand on joue pas, ben on peut se permettre de regarder parfois. Personnellement, moi, ça m'a pas gêné du tout de pas voir le film. Je l'ai vu une fois, je sais à quoi ça correspond à peu près. Puis après, on travaille. Au final, le public a pu assister à cet ensemble de pièces mêlant ciné-concert et morceaux sans film. Pour les musiciens, l'expérience est d'ores et déjà réussie. Et si l'un ou l'autre des jeunes spectateurs poussait les portes de l'école de musique pour grossir les rangs de celle-ci, puis de la musique municipale, la réussite serait alors totale. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.